enfants, les petits princes et les princesses. Comment allez-vous? Vous allez bien? Avec vos parents? Ah, très bien. Bon, les enfants, là où vous êtes, vous restez assis. Vous suivez la maîtresse. Prêtez l'oreille pour écouter ce qu'elle va dire. Nous allons commencer notre cours. Mais avant de commencer notre cours, nous allons d'abord chanter et lire la date. Nous allons d'abord chanter. Là où tu es, tu te mets debout et tu vas chanter ensemble avec moi. C'est la maîtresse Thérèse qui est devant toi. La libellule, la libellule n'a pas besoin d'une voiture. Elle a ses ailes, elle a ses ailes pour voyager au bord de l'eau. Encore une fois. La libellule, la libellule n'a pas besoin d'une voiture. Elle a ses ailes, elle a ses ailes pour voyager au bord de l'eau. Très bien les enfants, on a bien chanté, très bien. Voilà, nous allons commencer notre cours. Nous allons commencer par la date. Aujourd'hui, nous sommes lundi, le 1er juin 2020. Lundi, c'est le premier jour de la semaine. 1, c'est le chiffre 1. Nous sommes maintenant au mois de juin parce que nous avons changé de mois. On n'est plus au mois de mai, mais nous sommes maintenant au mois de juin. Donc, le 1er juin 2020. 2020, c'est l'année. Aujourd'hui, nous allons voir dans notre langage qui sera intitulé, qui a pour titre, les moyens de transport. Nous allons lire le tableau. Mais le tableau qui nous concerne ici, c'est le tableau des moyens de transport. Alors, nous allons lire ensemble. Suivez-moi les enfants. Nous allons lire ensemble. La bicyclette, le tricycle, la moto, la voiture, la jeep, le bus, la voiture de course, le bus articule, la benne, camion et citerne de pompiers, l'ambulance, la citerne, la voiture de police, le train magnétique, le bateau manuel, le bateau de plaisance, le ferry, l'aéroglisseur, le voilier, la pirogue de sport, l'avion de ligne, l'hélicoptère, l'avion de combat, l'avion de troupe. Et voilà notre tableau de moyens de transport qui est ici, que nous avons lu tout à l'heure. Bien les enfants, aujourd'hui nous allons connaître les moyens de transport. Nous allons connaître les moyens de transport. Et sur les moyens de transport, les enfants, il y a beaucoup de moyens de transport. Dites-moi un peu, qui a déjà voyagé? Qui a déjà voyagé? Michel, tu as déjà voyagé? Younoussa, Niafo, oui. Oumou, oui. Akila, oui. Isaac, oui. Edna, oui. Ruben, oui. Kimia, oui. Mariana, oui. Lucas, oui. Très bien. Tout le monde a déjà voyagé. Même la maîtresse aussi a déjà voyagé. Mais vous avez voyagé avec quel moyen de transport? Bien, il s'avère que dans les moyens de transport, il y a plusieurs moyens de transport. Il y a plusieurs moyens de transport. Et ces moyens de transport, ils sont divisés par catégorie. Ils sont divisés par catégorie.
C'est-à-dire, il y a le moyen de transport roulant, ceux qui roulent. Il y a le moyen de transport volant, ceux qui volent. Il y a le moyen de transport flottant, ceux qui flottent. Et il y a même le moyen de transport de service. Alors, maintenant, nous allons voir les moyens de transport roulants. Vous allez voir les moyens de transport roulants. Bien les enfants, nous avons dit tout à l'heure que nous avons beaucoup, beaucoup de moyens de transport. Et ces moyens de transport sont divisés par catégories. Alors, ici, je vais vous montrer les moyens de transport roulants. Alors, regardez bien cette fiche. Il y a les moyens de transport roulants qui sont là. Il y a la voiture, le vélo, nous avons le train, nous avons la moto. Tout ça, ce sont les moyens de transport roulants. Nous avons le camion. Tout à l'heure, nous avons vu les moyens de transport roulants. Et maintenant, ce sont les moyens de transport volants, ceux qui volent. Nous avons l'avion. Nous avons l'hélicoptère. Nous avons l'avion de troupes, l'avion qui va à la guerre pour les militaires. Il y a beaucoup, beaucoup de moyens de transport volants. Il y a le parachutiste. Donc, tout ça, ce sont les moyens de transport volants. Alors, nous avons, nous continuons toujours avec les moyens de transport. Nous avons dit les moyens de transport roulants. Nous avons vu les moyens de transport volants. Et maintenant, c'est les moyens de transport flottants. C'est-à-dire, qui flottent dans l'eau. Donc, tel que le bateau. Nous avons le bateau, nous avons le voilier, nous avons le voilier, nous avons la barge, nous avons la pirogue, nous avons l'aéroglisseur. Tout ça, ce sont les moyens de transport flottants. Parce que nous avons dit que les moyens de transport, il y en a plusieurs. Et c'est par catégorie. Et nous avons divisé ça par catégorie. Quand nous avons divisé par catégorie, nous avons dit les moyens de transport roulants, flottants, volants. Et voilà ce que nous avons montré tout à l'heure. Les enfants, nous continuons encore toujours notre leçon sur les moyens de transport. Maintenant ici, on nous dit quoi? Nous allons relier le dessin avec le mot. Alors, ici le dessin c'est quoi? Le dessin c'est, nous voyons le bateau, la voiture, la moto, l'avion. Alors, le mot ici, c'est quoi? C'est celle que j'ai alignée ici, là. À ma gauche, c'est elle, là. Donc, dans notre leçon, nous avons les moyens de transport, mais nous allons les relier aussi. Nous allons relier le dessin avec le mot. Donc, nous allons relier le dessin avec les mots. Voici les mots qui sont alignés ici et voyons les dessins qui sont là. Nous allons maintenant relier parce que nous ne pouvons pas relier la moto avec la voiture. Nous ne pouvons pas relier la voiture avec l'avion, mais avec le dessin correspondant. Donc, nous avons la moto qui est là. Le mot est là, moto. Avec le dessin correspondant. Donc, nous allons commencer à relier. On va continuer. On va commencer par quoi? Oui, Michel. Nous allons commencer par quoi, Michel? La voiture. Très bien, on va commencer par la voiture. Nous allons relier, on nous a dit, le dessin avec le mot. Donc, le dessin est là, la voiture. Le dessin est là et le mot est là. Donc, nous allons commencer par le dessin et remonter vers le mot qui est voiture. Là, ici, je remonte comme ça. Là, je relis. Oumou. Alors, quelle est l'image encore qu'on va relier? La moto, très bien. La moto.
Donc, on va relier la moto. La moto est là. Très bien. Niafo, qu'est-ce que nous allons relier après? L'avion, très bien. L'avion, qui est le dessin, et le mot avion est là. Edna, Kimia, Lucas, Yunusa, Mia.
Vraiment, je vous aime bien. Mais je vous jette les bisous.